T'as combien on veut compter? Ambiance bon enfant pour démarrer cette cérémonie de mise en service officielle des nouveaux bureaux de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Paracourt. Le tour de clé du ministre Éléonore Yaï pour l'ouvrir aux bénéficiaires de l'administration et au corps professoral. Le bâtiment RE+2 est construit sur fonds propres, un effort de la faculté appuyé par le leadership du recteur Gandaro avec les précieux conseils du ministre de tutelle. Les fonds versés par les étudiants pour leur inscription ne sont pas dilapidés. Donc, avec ces fonds aussi, et sous vos conseils, nous avons essayé d'améliorer nos conditions d'existence parce que c'est dans de bonnes conditions qu'on donne le meilleur rendement. La Flash étant effectivement l'une des dernières entités, se retrouver à l'étroit, il fallait forcément faire quelque chose. Alors, quand ils ont décidé d'initier le projet, nous avons soumis ça à votre administration, nous avons reçu l'avis favorable et nous pensons que ce joyau mérite que vraiment on donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui lui appartient. À César que vous êtes, vous devez forcément nous autoriser à intégrer ce bâtiment. C'est pour ça que nous vous remercions de votre présence. Avec ce joyau, nul doute que les conditions de travail seront améliorées pour de meilleurs rendements dans les 6 filières de formation que compte la Flash, une faculté qui a près de la moitié de l'effectif d'étudiants de l'université de Paracourt. 16 000 étudiants pour 45 ou 44 enseignants, ce n'est pas une tâche facile. Mais lorsque les enseignants se retrouvent quelque part pour pouvoir bien délibérer, pour pouvoir échanger, faire des conseils pédagogiques et prendre des très bonnes décisions, lorsqu'il y a un problème tel que les problèmes de harcèlement sexuel, les problèmes de fraude, on peut s'asseoir et réfléchir bien pour prendre les bonnes décisions. Le président de la République, s'il était ici, il vous applaudirait, il vous dirait « continuez ainsi, c'est ce que j'aime ». Faites en sorte que les mesures sécuritaires y soient. S'il y a les questions de mobilier, les questions accessoires, telles que la fibre optique, parce que lorsqu'on a des bâtiments, il faut le réseau. On va apprécier cela avec les spécialistes de ces questions qui sont dans ma délégation, voir comment quelqu'un qui a déjà mis le poids, le fardeau à ce niveau-là, comment on peut l'aider à le mettre sur sa tête. À toutes et à toutes, félicitations et très bonne installation pour que le développement soit toujours renforcé. Le doyen de cette entité de formation se réjouit de cette nouveauté dont les caractéristiques sont ici précisées. Aujourd'hui, nous avons un bâtiment RE+2 avec 42 bureaux, une grande salle de réunion, deux salles polyvalentes et une salle informatique, une salle de reprographie. Toutes choses qui frisent admiration. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université de Paracourt, une faculté vieille aujourd'hui de 10 ans. C'est ici au lycée technique et professionnel Koundé Oudakpakpa qu'a eu lieu le lancement de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle édition 2021. 6800 candidats répartis dans 16 centres de composition plongent pour le compte de cet examen. Au niveau des préparatifs, tout se passe bien. Les candidats, je les ai trouvés très sereins et je pense que cela doit donner des résultats encourageants. Ces candidats évaluent leurs compétences dans plusieurs filières, à savoir l'option des sciences techniques et industrielles, l'option de l'enseignement familial et social et l'option des sciences techniques des métiers d'art. Toutes les dispositions ont été prises en matière d'organisation, comme d'habitude, et cette fois-ci beaucoup plus davantage parce que la politique du gouvernement consistant à inciter nos concitoyens vers l'option de la formation technique et professionnelle, a véritablement donné un impact concret cette année parce que l'effectif inscrit a connu une augmentation très forte, ce qui nous a contraints à nous surpasser au niveau des dispositions à prendre pour réussir l'organisation. Dans le sous-secteur des enseignements, de l'enseignement à la formation technique et professionnelle, comme vous le savez, il y a eu une stratégie de relance de ce sous-secteur qui a été adoptée par le gouvernement. Les autres formalités sont en cours
les travaux pour la construction des infrastructures des lycées techniques bien modernes au niveau de 17 lycées qui doivent être construits, réhabilités et équipés pour que nous puissions avoir des infrastructures complètement aux normes. Le gouvernement est très ambitieux et cette ambition est toujours pour le bien de nos populations, pour que notre pays puisse désormais connaître un développement au niveau de la formation professionnelle. CAP 2021, c'est parti pour 3 jours de composition. Chaque candidat promet mettre les bouchées doubles pour sortir son épingle du jeu. C'est un lundi, pas comme les autres, ici au siège de la Cour constitutionnelle. Après la cérémonie des couleurs, 12 agents pour abnégation, dévouement et engagement au travail ont vu leur effort couronné. Ils reçoivent, en présence de leurs collègues travailleurs, les félicitations de leur premier responsable, matérialisées par ces attestations. Madame Viviane Akwifa Dosu. J'ai le plaisir de vous décerner cette lettre de félicitations à la suite de votre désignation par vos pairs comme étant le meilleur agent de votre catégorie. Toutes mes félicitations. Le plus important, ce n'est pas de monter. Le plus important, c'est de rester. Zinsi Anicet Aronsou. J'ai le plaisir de vous remettre votre lettre de la lettre de félicitations à la suite de votre désignation par vos pairs. Félicitations. Identifié donc comme meilleur agent de la Cour constitutionnelle, c'est à juste titre que ces lauréats distingués s'en félicitent. Ils souhaitent par ailleurs pérenne cette initiative et exhortent leurs collègues à leur emboîter le pas. Je ne peux que remercier le président pour l'initiative. Parce que je crois que c'est pour la première fois qu'on a eu à faire une élection désignant les agents modèles à la Cour. Donc c'est une bonne initiative. J'exhorte les collègues à faire davantage aussi leur travail. Les gens disent souvent quand on passe devant la Cour, tout est tellement calme. Mais il suffit de rentrer à la Cour pour savoir qui a à faire. Ça me fait beaucoup plaisir de recevoir cette lettre de félicitations de la part du monsieur le président de la Cour. Ces autres, nos collègues, a fait comme nous. Je suis très contente de cette distinction. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il m'a fait ce jour. Et je dis merci à toute l'équipe qui a organisé cette cérémonie. Et j'exhorte tout le personnel à travailler sans attendre rien en retour. Cette cérémonie de distinction qui s'est déroulée en toute sobriété va à coup sûr faire école dans les autres institutions et administrations étatiques, ont souhaité unanimement les travailleurs.